Bien, alors nous allons passer maintenant au premièrement petit c. Donc, on nous a dit le 6 qui était à la deuxième place prend la première place. Le 5, on le fait disparaître pour le remplacer par un nombre A. Et on demande quelle est la valeur de A pour que tout le numéro soit correct. Eh bien, pour que tout le numéro soit correct, il faut, comme tout à l'heure, que la somme S plus P plus petit c soit congrue à 0 modulo 10. Bien. Alors, donc, tout à l'heure, il y avait ici 5. Maintenant, il y a 6. Pour avoir le reste, on double le 6 qui devient 12. Alors, lorsque on avait ici 5, son double était 10 divisé par 9, le reste était égal à 1. Mais maintenant, en plaçant 6 et en le doublant pour trouver le reste de la division par 9, il y a 3. Donc, au lieu de 1 pour le reste, il y a 3. Donc, i, le total des restes des numéros, vous voyez, de rang impair va augmenter de 2. Parce que, au lieu de 1, maintenant, il y a 3. Donc, i augmente de 2. Et comme tout à l'heure, i était égal à 26, i devient 26 plus 2, c'est-à-dire 28. Maintenant, pour le total des termes de rang pair, eh bien, pour P, là, il y avait un 6 qui n'est plus là. Donc, on ne prend plus le 6. Ça veut dire que P perd 6. Mais à la place de 6, il y a A. Donc, P, le total des termes de rang pair, a perdu 6 et a gagné A. Donc, tout à l'heure, il était de 23. Maintenant, il vaut 23 moins 6 plus A, c'est-à-dire 17 plus A. Alors, faisons maintenant la somme S prime égale I prime plus P prime plus C. Voilà. Le C qui n'a pas changé. Alors, ce total devient 28 plus 17 plus A plus le 1 qui était là. Donc, ce total devient 28 et 17, 45 et 1, 46 plus A. Il doit être égal à 50. Alors, quelle valeur de A? C'est tellement facile, ça donne A égale 4 pour que le numéro reste correct. Deuxième question. On connaît les 15 premiers chiffres du numéro d'une carte bancaire. Montrer qu'il existe une clé C rendant ce numéro de 4 correct et que cette clé est une. Bien. Alors, pour que le numéro soit correct, on doit avoir S égale I plus P plus la clé congrue à 0 modulo 10. Bien. Alors, nous avons un autre numéro. Supposons que pour l'autre numéro, I plus P soit déjà un multiple de 10. Alors, si I plus P est déjà un multiple de 10, alors C doit être égal à 0. Autrement, divisons i plus p par 10. Alors, on divise i plus p par 10. Ça nous donne un quotient q, le quotient q, et un reste r. R étant plus petit que 10. Donc, i plus p, d'après la division euclidienne, est congrue à r modulo 10. Voilà. Donc, i, on fait passer r dans l'angle de gauche. Ça donne i plus p moins r égale 0. Et pour éviter d'avoir ce moins r, il suffit d'ajouter 10. Pourquoi?
Parce que R est un chiffre plus petit que 10. Donc, il va depuis 0, comme on l'a vu, jusqu'à 9. Donc, 10 moins R, lui aussi, est compris entre 1 et 9. Voilà. Alors, donc, 10 moins R joue le rôle de la clé. Et comme R est unique, alors la clé qui vaut 10 moins R, elle aussi est unique. Donc, vous voyez, 10 moins R, comme I plus P plus C est congrué à 0, alors C égale 10 moins R est un chiffre unique. Troisième question. Un numéro de 4 dont les chiffres sont tous égaux peut-il être correct? Si oui, donnez tous les numéros possibles. Alors, soit à un entier compris entre 0 et 9. Bien. Le numéro de la 4 est alors, voilà, rien que des A. D'accord. Alors, pour le rendre, pour voir s'il est correct, nous allons voir si la somme R, comme d'habitude, est congrue à 0 modulo 10. Alors, dans les 16 chiffres qu'il y a, il y en a 8 qui sont impairs et tous valent A. Alors, comment fait-on pour trouver les restes? D'abord, on double A, on divise par 9 et à chaque fois, on prend le reste. Il y en a 8. Donc, le nombre I de tout à l'heure, qui est égal à la somme des restes, c'est 8 fois 2A, ça fait 16A. Après, on ajoute P, les termes de rang pair, ils sont tous égaux à A, il y en a 7. Donc, j'ajoute 7A plus C doit être congrué à 0, modulo 10. Alors, voilà, alors donc ça nous fait I plus P plus C, ça fait 16A et 7A, ça fait 23A, plus la clé, ça fait 24A. Et il faut que 24A soit congru à 0, modulo 10. On va enlever 20. 20A, qui est, vous voyez, un multiple de 10. Donc, il va rester 4A congru à 0, modulo 10. Alors, on va étudier deux cas. Premièrement, A compris entre 0 et 4, ou entre 5 et 8. Pourquoi? Parce que si A est compris entre 0 et 4, eh bien, nous allons pouvoir trouver tout de suite la valeur de A. Alors, A est compris entre 0 et 4. Eh bien, pour avoir 4A congrué à 0, la seule valeur possible de A, c'est 0. Donc, le numéro sera composé uniquement avec des 0. Alors, deuxièmement, supposons que A soit compris entre 5 et 8. 2 fois A est compris entre 10 et 16. Alors, on va écrire 2A, c'est 9, plus, regardez, j'ajoute 9, j'enlève 9, d'accord. Mais 2A est compris entre 10 et 16. On va enlever 9. Vous voyez, on va ici, 2A moins 9. Eh bien, ce sera le reste, parce que A, regardez, il est plus petit que 8. Donc, 2A est plus petit que 16. 16 moins 9, ça fait 7. Donc, 2A moins 9 est plus petit que 7. Donc, si on divise ce nombre 2A par 9, où est le reste? Ça, c'est congru à 9. Et donc, voilà le 9, le reste, le voilà. Parce qu'il est plus petit que 7. Donc, le reste de la division de 2A, c'est de 2A par 9, c'est 2A moins 9. Comme il y a 8 restes, donc la ligne I, le nombre I, ce sera égal à 8 fois 2A moins 9. Après, la ligne P,
c'est la somme des termes de rang pair. Mais ils sont tous égaux à A. Donc ça fait 7 fois A. Et la clé aussi est égale à A. Parce qu'on veut que tous les chiffres soient égaux. Alors on développe, ça fait 16A plus 7A moins 72 plus A. Bien, voilà la somme. Eh bien, on va enlever tous les multiples de 10, parce que cette somme doit être congrue à 0 modulo 10. Qu'est-ce qui reste ici? 4A. Pour 72, on va enlever 70, il va rester 2. Donc, 4A moins 2 est congru à 0 modulo 10. Donc, 4A est congru à 2 modulo 10. Quelles sont les valeurs de A? Ou bien 0. Alors, 4A congru à 2 modulo 10, c'est vérifié seulement pour A égale 8. Parce que 4 fois 8, 32, on enlève 30, il va rester 2. Donc, tout à l'heure, on a vu que le nombre était fait seulement avec des zéros. Deuxièmement, maintenant, nous avons vu, oui, il y a une valeur de A ici, pour que 4A soit congru à 2 modulo 10, c'est A égale 8. 4 fois 8, 32, on enlève 30, c'est bien congru à 2. Donc, quels sont les deux numéros corrects où tous les chiffres soient égaux? Eh bien, c'est rien que des zéros ou rien que des 8. Alors, quatrième, donc, question. On va la lire, puis la traiter. Je déplace ma caméra.